Donc, béni le Seigneur, sois béni, sois glorifié. Toi qui es en ligne et maintenant, toi qui es connecté avec nous pour ce programme, l'école du Saint-Esprit. Nous allons partager ensemble, encore une fois aujourd'hui, un verset, toujours comme d'habitude, et nous allons essayer un peu d'exhorter là-dessus. Donc, nous allons partager aujourd'hui dans le livre des Proverbes, nous allons lire le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 23, le verset 7, un verset que beaucoup d'entre nous les connaissent. Je lis la parole du livre des Proverbes chapitre 23, le verset 7. La Bible nous dit ceci. Car il est comme les pensées de son âme. Je reprends encore la parole de Dieu. Le livre des Proverbes chapitre 23, le verset 7. La Bible nous dit ceci. Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Donc, nous prenons juste la partie A qui nous dit, car il est comme les pensées de son âme. Qu'est-ce que je veux dire par ce verset? Nous devons savoir que nos paroles, ce qui sort de nos bouches, sont toujours le produit de ce que nous pensons. Donc, ce que nous disons ou ce que nous déclarons, ça commence toujours par la pensée et ça sort de nos bouches. Donc, c'est pour ça que nous devons toujours veiller à ce qui sort de nos bouches. Et comment nous pouvons veiller à ce qui sort de nos bouches? C'est d'abord commencer à contrôler nos pensées. C'est pour cela que la Bible nous dit que nous devons amener toutes nos pensées captives à l'obéissance de la parole de Dieu. Qui veut dire que nous devons commencer toujours à penser avec à penser par la parole de Dieu, à penser ce qui est pour la gloire de Dieu, à penser des choses qui viennent de Dieu et non des choses qui ne glorifient pas Dieu. Donc nous devons savoir que l'homme, la personne ou l'être humain, est une créature unique. Donc Dieu a déposé en toi des choses où il n'y a que toi-même, où il sort, où il n'y a que lui-même Dieu qui peut les révéler. Donc, si elle dit, c'est ce qu'il a déposé en l'homme. Car ce que nous pensons, nous rentrons aussi en communion avec Dieu par nos pensées. Et nous sommes en communion avec lui par notre esprit, par l'esprit aussi. Mais à travers ce que nous pensons, nous arrivons à dégager ce que Dieu nous transmet. Vous comprenez? Donc, tu dois savoir que tu n'es pas ce que les gens pense de toi ou ce que les gens disent de toi, mais tu es le produit de tes propres pensées, tu es ce que tu penses être toi-même. C'est pour ça que tu dois toujours travailler tes pensées, car la Bible dit que nous avons en nous la pensée de Christ. Dans le livre des 1 Corinthiens chapitre 2 verset 16, la Bible nous dit que nous avons la pensée de Christ. Donc nous devons penser en tant que des enfants de Dieu, nous devons penser en tant que des citoyens célestes. Nous devons penser à la victoire, penser à la réussite. Nous devons commencer à penser au-delà de ce qui est naturel. Nous devons commencer à penser toujours dans les choses spirituelles, monter dans une autre dimension. Vous comprenez? Nous devons commencer à penser les grandes choses. L'état de nos vies est déterminé par ce que nous pensons. Donc, ta vie est déterminée par ce que tu penses. Vous comprenez? Donc, si tu penses être grand, tu seras grand. Donc, si tu penses que tu es un serviteur de Dieu, tu dois commencer à fonctionner aussi en tant que serviteur de Dieu. Si tu penses que tu es quelqu'un qui prie pour les gens, tu dois commencer aussi à prier pour les gens, donc à prier pour les autres. Donc, tu ne dois pas commencer simplement à garder ça en toi. Donc, tu es le produit de tes pensées et tu dois dégager ce que tu penses. Vous comprenez? Donc, tu dois penser à ce que tu peux créer dans ce monde. Car Dieu à travers nous amène des choses à l'existence qui n'existaient pas. Donc, à travers toi, Dieu veut faire des grandes choses, des choses qui n'ont pas encore été créées. Dieu veut que ça puisse être créé par toi. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça que tu dois éviter de penser tout ce qui est négatif. Commencer à penser toujours à des choses positives. Parce que tu dois monter dans une autre dimension de la pensée. Alors pour monter dans cette autre dimension-là, pour monter dans une autre dimension, tu dois commencer par ce que tu penses. Vous comprenez? Donc, quand tu commences à penser à des grandes choses, quand tu commences à penser à des choses spirituelles,
ne cherche plus à retourner encore à ce qui est charnel. Vous comprenez? Donc pense, tu dois savoir que tu es un avec Dieu. La Bible dit, celui qui s'attache avec Dieu est avec lui un seul esprit. Alors comme tu es un seul esprit avec le maître, Seigneur Jésus-Christ, tu dois commencer à penser en tant que citoyen céleste. Tu dois savoir que c'est toi qui représente notre maître ici sur cette planète. C'est toi qui représente le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob pour ce temps de la fin. C'est toi qui es son porte-parole. C'est toi qui es son représentant. Parce que tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tu es devenu un chrétien. Donc en tant que chrétien, c'est toi qui représente Dieu sur cette planète. Vous comprenez? Car nous sommes des citoyens du royaume de Dieu. Vous comprenez? Donc c'est pour ça que tu dois toujours placer tes pensées dans les choses où l'ennemi n'a pas d'accès. Vous comprenez? Tu dois placer tes pensées là où l'ennemi n'a pas d'accès. Parce que si tu penses à des choses charnelles, tu dois toujours combattre avec l'ennemi. Si tu penses à des choses qui sont charnelles, tu dois toujours fonctionner au système de ce monde. Si tu penses à des choses qui sont charnelles, tu dois toujours vivre comme les gens ordinaires. Alors pour éviter toutes ces choses, tu dois penser à des choses là où l'ennemi n'a pas d'accès. Cela veut dire, tu dois placer tes pensées à la parole de Dieu. Tu dois fonctionner selon la parole de Dieu. La Bible dit ceci, que nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. Celui qui ne met pas en pratique la parole de Dieu, il est comme simplement quelqu'un qui écoute et qui ne peut rien faire. Vous comprenez? Donc, tu dois mettre la parole de Dieu en pratique. La parole de Dieu doit être ton miroir. Tu dois te voir à travers la parole de Dieu. Et tu dois le mettre en pratique. Et quand tu places tes pensées dans la parole de Dieu, tu dois savoir que l'ennemi n'a pas d'accès dans la parole de Dieu. Sa place n'est pas dans la parole de Dieu. Vous comprenez? Sa place c'est l'enfer, sa place c'est le négatif, sa place c'est tout ce qui est charnel. Sa place se trouve dans des pensées de ce monde. Quand tu penses aux choses de ce monde, quand tu penses à tout ce qui est charnel, c'est là où tu vas rencontrer l'ennemi. C'est là où tu dois vivre selon le rythme de ce monde. Mais tu dois monter dans une autre dimension. Car la Bible dit, nous sommes assis avec Christ et Jésus dans les lieux célestes. Alors comment nous sommes assis avec Christ et Jésus dans les lieux célestes? C'est au travers de nos pensées. Nous devons penser comme lui, penser comme notre maître, car nous le représentons. Que Dieu te bénisse. Nous sommes toujours sur Chilo TV, dans notre programme L'École du Saint-Esprit. Que Dieu soit glorifié dans ta vie.